Ces plants de cannabis ne sont pas un mirage dans le désert du Negev, mais l'incarnation bien concrète d'une filière en plein développement. La ville israélienne de Yerouham abrite plusieurs start-up du secteur et se voit même devenir la capitale du cannabis. Attention, on ne parle pas là de la drogue à usage récréatif, mais d'un produit qui pourrait servir dans de multiples domaines. Nous développons ces technologies de plusieurs façons. Pour l'industrie pharmaceutique, pour le secteur agricole, pour tous les domaines où le cannabis peut servir de matière première. Nous trouvons des idées, nous investissons de l'argent dans ces idées et nous aidons à les développer pour aboutir à un produit, et le tout dans un incubateur technologique. Ce secteur en pleine croissance est une aubaine pour la ville de Yerouham, sévèrement touchée par le chômage. Elle fait d'ailleurs partie d'une zone économique prioritaire qui encourage l'implantation des entreprises. Autre atout, les autorités favorisent l'utilisation thérapeutique du cannabis, ce qui se traduit dans les chiffres. Israël a importé 22 tonnes de cannabis médical en 2021, contre un peu plus de 14 tonnes l'année précédente.